Bonjour à tous, bienvenue au Pêche de Solo. Aujourd'hui, on va continuer la campagne de Core Space avec la quatrième mission, de la campagne Perseus. Donc, la quatrième mission qui s'appelle Retrieval on Canis. Donc, Canis étant le nom d'un vaisseau qui est abandonné plus fort longtemps, qui a été, été saccagé aussi, et plus personne ne va là, mais on se fait dire qu'il n'y a pas une arme antique qui est là parce qu'il y a, comme un tracker dessus puis on a reçu un signal. Donc on s'est engagé pour aller chercher cette arme et la voici, cette fameuse arme. Donc cette arme-là, antique revolver, donc il est caché ici. Et donc on devrait aller la chercher là et retourner au vaisseau tout simplement. Bon, la mise en place est complétée. Je joue déjà une autre mission assez rapidement quand même, puisque je me rends compte que ce jeu-là, faut quand même pas espacer trop les sessions de jeu, puisque bon ben c'est pas facile. Il y a plusieurs règles, puis si on veut pas perdre un peu trop l'expérience qu'on a acquis avec des bons réflexes, donc conserver nos réflexes, on est donc mieux de jouer un peu plus fréquemment. Et donc c'est ce que je cherche aujourd'hui, ok? Donc, à la fin de la dernière mission, on avait réussi à recruter notre autre membre d'équipage, Tirgard. Et lui, il avait réussi, avec une grenade, à tuer le Live One, l'organique, comme on appelle en français. Donc ça lui vaut un point d'expérience, un point de carrière. Donc, il avait déjà un point de carrière pour avoir terminé la mission. Il y en a un deuxième durant cette mission. Donc, c'est deux points de carrière. Je lui donnais un profil tech. Donc, c'est très pratique, ces deux compétences-là. L'un qui permet de réduire le niveau d'hostilité, l'autre, même d'ouvrir des portes ou même de carrément prendre une purge de niveau 1 et 2 et de l'enlever du jeu. Bien, on voit que juste un peg d'habileté, donc c'est pas vraiment beaucoup. Gak, lui, j'ai donné la capacité ici de récupérer un point d'énergie. Si je peux aller chercher un petit bâton pour vous montrer mieux. Bon. Un point d'énergie. Et ici, j'ai pris celle-là ici pour Ariana qui est qui donne une action de range de combat à distance. J'ai vendu, quand je n'avais pas vraiment fait d'argent à la dernière mission, c'était vraiment d'aller chercher notre coéquipier de partir, on s'est vraiment dépêché. Je n'avais pas vraiment eu le temps de fouiller beaucoup, et un ou deux crates, mais là j'ai vendu des armes pour me faire un peu de sous, finalement de UA, ou dans ce jeu-là qu'on appelle de Florence, les crédits. Donc j'ai été chercher, j'ai vendu des armes, bon, j'ai fait des échanges, je considère que chacun a ce qu'il faut pour se débrouiller, mais on va fouiller évidemment dans les coffres là, pour avoir... Donc j'ai eu de l'argent, je me suis fait 10 UA avec ça, plus le 1 que j'avais, donc j'avais 11, j'ai eu une réparation à faire, et j'ai fini de compléter mon vaisseau, tout est réparé, et il me restait même de l'argent pour acheter un upgrade. Ce que j'ai fait, j'ai acheté l'upgrade de scanner, ici. Donc, ce qui va arriver, c'est que c'est avec cet upgrade-là, on va pouvoir fouiller dans un crate qui est à distance médium du vaisseau et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, ça va être intéressant quand j'aurai le niveau 2. Je pourrais choisir n'importe quel coffre dans toute la map et regarder dedans. Pour un point de skill. Ça coûte un point de skill utiliser ça. Donc, c'est quand même bon. Je pense que si je mets mon... il est ici plutôt. Si je mets le point de... Il y a deux points d'entrée pour le vaisseau. C'est soit ici, en haut du côté de gauche, ou en haut ici tout à fait. Là. Donc, je pourrais... Bon, pour l'instant, ça ne me donne rien. Je peux rien fouiller. J'ai ce coffre-là. Si je me mets ici, ouais, je pourrais fouiller le coffre qui est ici. Pour l'instant, dans le rayon d'action, là, c'est tout ce que moi qui ai un coffre en arrière ici. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est pas les. Moi, j'ai pris ça pour éventuellement avoir le niveau 2 et prendre choisir n'importe quel coffre dans le
dans la map. Évidemment, j'ai encore de l'argent pour en acheter d'autres, mais on peut faire juste un upgrade par phase de maintenance. Donc, c'est sûr, je me serais mis au niveau 3 si j'aurais pu, mais j'ai pas pu. Autre nouveauté dans ce jeu, dans cette session, c'est que j'ai, comme vous avez suivi les sessions sur la chaîne, de la part du temps, il manque des civils. Soit que je suis pas chanceux avec eux, là, ils ne survivent pas longtemps aux assauts de la purge. Donc, il manque des civils. Donc, j'ai décidé de me faire d'aller avec le pack de peinture les figurines du pack Black Star Rising. Cette expansion-là amène des nouveaux personnages qu'on peut civils, mais le premier rôle, c'est pas des civils, mais pour l'instant, je vais les prendre comme civils. Plus tard, je verrai comment je les intègre aux autres missions. Donc, cette extension ajoute des personnages qui sont des workers, des ouvriers, et un qui est un scavenger. Donc, ça, c'est le scavenger. Lui, je ne sais pas si ça peut faire Julien focusser. Lui, en réalité, il va aller nous voler, il va aller avant nous, nous voler dans les coffres. Donc, je ne l'activerai pas tout de suite, mais éventuellement, je vais le faire. On a ici ce personnage-ci, qu'on va tuer comme un civil, qui est ce personnage-là, qui s'appelle Ovac. Mais on va le prendre en mode civil, que si on a besoin de le faire entrer. Là, on voit que leurs capacités sont un petit peu meilleures. Ils ont quand même des bonnes capacités d'attaque. Ils ont de l'armure au moins, toujours ça. Donc, elle, on pourra peut-être l'utiliser. On a ce civil-là qui s'appelle Harris. Lui, c'est celui-là. Donc, avec son uniforme d'ouvrier, là, quelque part, je me remets dans la maintenance des cales, et on a un dernier civil, qui lui a plutôt l'air un peu dans le management, là, mais bon, c'est Mr. Ruff. Il va être Ruff. Et 4 en attaque en mêlée, c'est 2 d'armure. C'est quand même un civil très puissant, mais regarde la grosseur. Bon, on voit qu'il est de la même race que notre ami Quel, ici, que Ngak, là, plutôt, ici, là. Donc les deux 4 bras, mais ils ne sont pas de la même couleur de peau, là, mais on dirait bien qu'ils proviennent de la même planète. Donc ces 3 civils-là, possiblement, si on manque de civils dans le jeu. Puis plus tard, ben, dans une autre mission, je les ferai intervenir en tant qu'ouvrier, et les scavengers aussi. Mais en réalité, les scavengers, je vais les faire apparaître, mais je vais aussi faire apparaître, probablement dans la prochaine mission, les corps galactiques. Je pense qu'il est temps, là, la 5e mission avec les nouvelles difficultés qu'on a et la purge qui arrive quand même assez fréquemment. Donc, le corps galactique pourrait faire son apparition dans la prochaine mission. Cette mission-ci, on commence au niveau 5 déjà. Vous voyez que, je ne sais pas si vous avez marqué, mais à chaque mission qui progresse, on commence toujours le niveau de difficulté toujours un peu plus élevé. Bon, c'est presque prêt. Je me reste à mettre les points d'entrée, le vaisseau, où est-ce que je le mets, et construire le deck d'événements, et on pourra commencer. Donc, je fais ça pour caméra, et je vous reviens tout de suite. Donc, voici, c'est complété. Voici donc nos 3 comparses ici. Je crois que le chemin le plus intéressant, évidemment, ça va être de venir ici. Après ça, de partir... soit il faut venir ici. Donc, soit qu'on passe, on longe le mur et on vient, mais il y a quand même un point d'entrée ici, ou soit que finalement, ben, on n'a pas le choix de descendre jusqu'ici. Hein. De toute façon, ça c'est un mur, il y a une porte ici. Ah oui, je ne l'ai pas montré. Il y a une porte ici. Donc, on pourrait passer par en haut ici. C'est peut-être pas mauvais de faire ça pour éviter ce point-là qui peut vraiment nous surprendre. Ça pourrait être con. J'avoue, là, j'avais pas prédit ça, mais peut-être que ça serait peut-être mieux. Qu'il y a un coffre ici qui m'intéresse. Il y a un objet rare dans le jeu, un objet rare de grande longueur, et deux petits jetons qui valent 3 UA et 5 UA, c'est les objectifs secondaires de trouver ces petits jetons-là. Est-ce que je passe par la porte et je viens? Il y a un coffre ici? Non, il n'y a pas de coffre. Je prends ce coffre-là. J'avoue que c'est pas fou. Je pourrais rentrer des civils, peut-être ils pourraient se joindre à moi.
OK, je pense que je vais plutôt faire ça. Donc, passer par le chemin que je viens de vous montrer. Donc, on commence avec, en mettant évidemment, un fameux peg noir ici et une carte d'événement. OK, out for a stroll, scatter all unengaged civilians. Bon, ben voilà, donc tous les civils vont se disperser, aller à trois mains. Donc, on va commencer avec Kaori qui va aller dans la direction. Bon, qui va aller vers le bas. Donc, Kaori va vers le bas. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a un coffre ici. Donc, elle se met là. On va aller avec lui qui est en haut ici, qui est Ganik. Lui va aller vers le haut, près du point d'extraction. Ce qui n'est vraiment pas une bonne idée, mais bon, c'est ce qu'il fait. Et ici, on a notre ami Butler qui lui va faire quoi? Ben, dans quelle direction plutôt? Vers la droite, un peu vers le haut. Donc, ils vont venir ici. Bon, on a fait l'événement, les civils se sont dispersés. Day to day business, que ça s'appelait la carte. OK. Ben, vous voyez, si je n'avais pas eu de civil, là, mais j'en ai fait apparaître un. Moi, j'en avais un à faire apparaître. OK. OK, c'est à nous. Donc, on y va par du déplacement, évidemment, au début, puisque tout ce qu'on a, c'est on n'a rien du tout. On a juste que, avant d'aller au coffre qui est là, au coffre qui est ici, au coffre qui est là. Donc, et au déplacement, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, je voulais vous parler, que j'ai vu dans les différentes vidéos. Évidemment, je regarde beaucoup de vidéos sur ce jeu-là. Le déplacement, puis dans le règlement, chacun a un contrat, personne ne fait un peu exactement la même chose, mais dans, c'est très bien écrit dans les règles, on part le déplacement à partir de la porte du sas. Donc même si les personnages ici sont en arrière, ils font pas des mouvements supplémentaires comme elle en fait. Il faut pas en faire un, deux. Tout le monde part de la porte du sas. Et c'est la même chose quand on revient. Une fois qu'on est arrivé en contact avec la porte du sas, on est considéré dans le vaisseau. Bon. Donc, 1, 2, 3, 4, première action. On va passer à travers la porte. 1, 2, 3 et 4. Et un mouvement d'opportunité que je vais me mettre ici. Bon, là, il y a des ombres un peu. Je vais essayer de chercher la lumière pour essayer d'enlever ça. Donc, pour nos amis ici, ça va être exactement la même chose. Hein? On va suivre, je pense, là-dedans. Pour l'instant, je pense qu'il est mieux qu'on fasse qu'on se tienne ensemble. Donc, je ne ferai pas le mouvement, mais on sait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Il y a un mouvement de. Pareil pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un mouvement. Bon. On est les trois collés. Les trois en contact, un en arrière de l'autre. Comme ça. Et voilà, la première phase est terminée. Donc, la purge, on va lancer un des noirs, puisqu'on est en mode guarded. Donc, un des noirs, savoir si un récolteur arrive. Il y en arrive un. Au point d'entrée. 4. Donc, exactement, ben là, je pense que notre ami Ganik va se faire exploser la tronche. Donc, il est là. Et l'agriculteur le voit, il va aller tout de suite dessus. Il va faire une attaque à 2D. Ouais. Et Ganik n'ayant aucune armure, donc il est très en danger. Très très en danger. Il a vraiment dû se diriger vers le 1. Et oui, il explose carrément Ganik. Il n'en fait qu'une bouchée. 3 hits quand il avait besoin de juste 1. Donc, c'est fini pour Ganik. On a perdu un civil déjà dans cette phase de la purge. Donc, c'est terminé pour cette purge, au moins qu'il n'a pas bougé beaucoup. Là, il va porter son attention vers nous, évidemment, puisque là, il nous voit ici. Hein. Mais on ne sera pas là longtemps. Et bon, mais là, il reste les
les civils, justement. Fait qu'on va aller avec Kaori qui va faire... qui va chercher une couverture vers le haut. Donc, elle cherche à avoir du couvert vers le haut. Donc, elle veut se mettre à couvert. Donc, on va le mettre en couvert ici. Hein? Et notre ami Butler, lui, il va faire... Bon, il essaie de nous faire une action nous rejoindre, mais on n'est vraiment pas dans cette ligne de vue. Regardez. Et en plus, la flèche pointe vers là. Donc, il va rester là. Non. Donc, ça fait rien pour lui. Et c'est terminé la phase de... le premier tour, finalement. Donc, deuxième tour en mode guarded. Encore. Pour l'instant. OK. Donc, je vous disais qu'on allait aller par ici. Donc, Mariana va faire... 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait un mouvement d'opportunité. Ouf, on attend un petit peu. Je pense qu'on va rester ici. Tout d'un coup, il arrive du monde par ici. Au moins, là, on est à couvert. Partiellement. Bon, Gannick lui va faire. Gack. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Un mouvement d'opportunité ici. Il fouillera au prochain tour. Et tu regardes, lui, il va aller se mettre ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va aller ici. Donc, nos trois personnages ont bougé. Est-ce qu'il y a d'autres coffres? Il y a un autre coffre juste ici. Qu'est-ce que je peux voir? Ah oui, OK. Bon. Donc, peut-être c'est mieux qu'il soit ici d'abord. L'instant qu'il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un mouvement d'opportunité. OK, bien, il pouvait se mettre carrément en arrière du coffre. Bon, mais là, mes personnages sont tous à couvert, ce que je peux voir. Donc, s'il arrive quelqu'un en 5 et 6, c'est fait. Phase de la purge, ben celui-là, il va avancer de 4, évidemment. On va lancer le dé, voir ce qu'il en arrive. Premièrement, ce qui arrive de nouveau. Oh, 2! OK, bon. Je pense que j'ai compris l'avertissement. 2, ben regardez-moi ça, au point 6. Bon, c'est ce que je pensais. Il arrive des purges ici. Bon, là, il y a une ligne de vue carrément sur lui qui est ici. Il est carrément par la fenêtre. Hein? Donc, c'est lui qui va aller chercher. C'est pas les miens. Ils n'iront pas chercher mon banc d'équipage parce qu'ils sont plus loin. C'est vraiment lui. Oups. C'est pas qu'il est pas le plus proche. Peut-être en... Mais pour l'instant, c'est lui la cible. Pour le prochain tour, après ça, bien, ils vont réévaluer, puis ça risque d'être nous. Pour l'instant, ils vont bouger de 4. De toute façon, ils ont pas... Bon, je joue pas avec les règles avancées. Avec les règles avancées, ils sautent aller... Eux, ils ont le droit de passer à les fenêtres, puis bon, je pense qu'ils ne résisteraient pas longtemps. Mais là, je joue pas avec les règles avancées. Les fenêtres, plus tard, peut-être une autre campagne. Mais pour l'instant, je joue comme ça. Donc, on va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Et l'autre va carrément faire la même chose. Fait que les deux sont ici, comme ça. Et lui, ben, 1, 2, 3, 4. On a 3 récolteurs. Ça me va. Maintenant, bon, les civils. Kaori qui est en couverture ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être joindre notre équipage. Pas nous tirer dessus, s'il vous plaît. 1, je fais du mouvement par en bas. Donc, elle vient ici. 1, 2, 3, 4. C'est éloigné de nous. Et Butler, ici, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pas tiré de carte d'événement tout à l'heure, il faut que j'en tire une. Butler, lui aussi, du mouvement vers la gauche. Donc,
1, 2, 3, 4. Bon, là, j'ai oublié, j'ai oublié de faire une carte d'événement lors de quand j'ai mis. Donc, je vais la faire en retard. En retard. No smoking. OK. Bon, ben, ça, c'est la carte qui nous dit que quand on, si on tire une arme avec énergie, on souffre des dommages. Mais, ça dure jusqu'à temps qu'on passe au prochain niveau. Mais on passe au prochain niveau tout de suite ou très bientôt. Donc, cette carte-là va vraiment. Elle ne nous affecte pas parce que j'ai pas d'arme d'énergie. Je crois pas. Machine rifle. Non, il n'y a rien d'énergie là-dedans. Et elle va disparaître aussitôt que je vais mettre un prochain peg ici. Bon, ça va. Pas de dommages, rien, aucun. Ça ne fait rien. Bon, ben, mes civils ont joué. Donc là, on voit, il y a plein de lignes de vue. Donc, au prochain tour qu'on s'active, ça va être mes personnages qui vont voir. C'est, évidemment, c'est sûr que c'est eux qui vont être visés. Bon, OK, phase terminée. Donc, on est rendu à la phase de mettre un nouveau peg. Et là, on passe au prochain niveau qui est Watch Your Back. Et là, les dévastateurs vont commencer à se arriver. Voilà, Faulty Data Link. Le plus proche investor au dévastateur d'un trader passe la connexion au cerveau pour un Hive Mind. L'esprit de Hive, l'esprit de ruche. Remove it for... Ben, parfait, on enlève un. Il a perdu sa connexion. Il y en a qui disparaît, puis il en reste un là. C'était lui le plus proche, hein? C'était pas lui. Il était quand même. Non, c'était vraiment lui la distance là. Bon, on va commencer par Gak. Il va fouiller. Il va fouiller dans ce coffre et espérons trouver de belles choses. Oui, ça serait bien si on pourrait trouver des armes super puissantes. Oh, des crédits. Oh là, 5000 crédits, ça c'est parfait. On met ça dans sa poche. Bah, des bâtons très très ordinaires. Bâtons, on voit. Et une. Ah ben, on voit une arme énergie, là. Energy Rifle. Il va la garder juste parce que de toute façon, ça va lui faire. On pourra la vendre, au pire aller. Et le bâton, ben lui, on le remet dans le coffre. Bon, ben c'est quand même. C'est le 5000 crédits qui était un objectif en passant de secondaire. Donc ça, c'était fouillé. Je vais remettre la petite comme ça pour dire que c'était fouillé. Gak a fait une action et sa deuxième action, ça va être un déplacement. Où il tire à courte à la distance moyenne d'ici, ça avec 2D. Non, je pense pas. Je pense qu'il va plutôt bouger dans 1, 2, 3, 4. Là, le 1, 2, 3, 4. Ouais, l'investisseur ne peut pas le toucher. Donc, le mouvement, l'action sans effort, on la fera, on va la faire par ici. Tiens. Bon, non. On va rester comme ça. De toute façon, lui, avec ses quatre mouvements, il peut pas rentrer en contact avec moi. On va faire y aller avec Tirgard qui est ici, qui va fouiller dans ce coffre-là. Donc, lui aussi, a des chances de trouver des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on trouve cette. C'est une arme qui est fiable. On peut faire un burst avec. Outlaw Energy Rifle Custom. Ben, il va la prendre puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment. On est vide en armes. Et voici les deux autres. Ouais, pistolet. Oups. Un machine pistol qui vaut 6 quand même. Donc, sans contredit, on va prendre ça, on va le remettre dans le coffre. On va garder le machine pistol, à moins qu'il vaille plus cher. Bon, c'est fait pour ça. Et savez-vous. J'ai comme envie de bouger puis de le faire aller. Fallait faire le coffre ici. Ouais. Première, deuxième action, ça va être 1, 2, 3 et 4. Et là, il est en contact avec elle, mais il ne fera pas une persuasion. On va faire un mouvement sans effort de 1 ici. Comme ça, il sera couvert si les purges qui arrivent ici. Bon.
Peut-être que les purges vont viser elle, finalement. Et notre amie Ariana, qu'elle va carrément filer droit vers le pistolet. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et un mouvement d'opportunité. Et on rentre en contact avec lui, en même temps. Bon, il va probablement bouger de toute façon. OK. Quoi qu'on aurait pu se mettre ici pour fouiller là. Ouais, je pense qu'on va plutôt se mettre ici pour fouiller là éventuellement. Après ça, on fuira puis on ira là. Bon, mes trois ont joué. C'est à la purge. Bon, là, cette fois-ci, des dévastateurs. Peut-être pris de bonne chance en me mettant là. Hein. On va y aller pour les récolteurs. Alors, des dévastateurs. Il y a quoi qu'il faut que je garde? Dans l'échelle de... Je pense que quand je lance le dé en premier, c'est pour ceux qui sont les plus forts. J'ai peut-être mal joué depuis le début. Start at the top and work down the list. OK. Non, c'est ça. C'est correct. Donc, je lance pour les dévastateurs. Les récolteurs. Un récolteur au point 2. Bon, et voilà, je vous disais qu'il allait arriver quelqu'un ici. Le voilà, lui. Et là, les dévastateurs, s'il vous plaît, aucun. Un. Il en arrive un. Ou point 3. Donc, un dévastateur au point 3 qui est tout en haut ici. Puis ça, c'est bien parfait pour moi. Bon, ben lui, il va s'activer. Évidemment, il ne voit personne. Je crois pas qu'il voit personne. Il n'y a pas de ligne de vue sur lui. Non. Ni bon. OK. Donc, il va bouger de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il va bouger de 4. 1, 2. Oh, il me touche. Il vient sur moi, là. 1, 2, 3. Ah, ouais, il vient me toucher. Il a fait une action de combat à 2D. Ouais, là, j'avais pas prévu ça. Hmm. 2 hits. Wow. J'ai pas d'armure. Donc, 2 hits, je perds 2 points de vie. Ça me pénalise quand même beaucoup. Tu regardes. Ouais, c'était risqué d'aller là, mais il a payé un peu. Et il y en a un autre ici. Bon, lui, il va aller vers Gak, puis c'est lui qui le voit. Ben, quoi que le plus proche. C'est pas vrai. Il va aller vers le plus proche. Non, il va aller vers lui qui voit. Non, lui qui voit. C'est sûr. 1, 2, 3, 4. Et voilà pourquoi je n'ai pas bougé tout à l'heure. Parce que il n'y a pas de mouvement, il touche pas. Il touche pas. Je sais pas, hein, c'est un carré. Est-ce qu'un carré en diagonale, ça se touche? Les barres ne sont pas en contact, mais les carrés sont. Si vous avez si vous savez, mettez-le dans les commentaires là-dessus. Je suis pas assuré, sûr. Mais en tout cas, moi, je constate qu'il ne touche pas. OK. Les purges ont joué. Ouais, toutes les purges ont joué. Donc, on y va pour les civils. Kaori, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Kaori, ben c'est très simple. Très simple. Elle a la purge en dedans de 4 pouces d'elle. Donc, elle va s'éloigner de la purge. 1, 2, 3, 4. Non, elle veut ce qu'elle veut, c'est sauver de lui. En dedans de 4 pouces, il y a une seule réaction des civils, c'est de foutre le camp. Donc, c'est fait. Elle laisse ce tir-gaz se débrouiller tout seul. Pourquoi tu aurais pu l'aider, hein? Ben non. Kaori l'aide pas. OK. Bon, ben Butler qui est ici. Qui pourrait peut-être faire une action de joindre notre équipage. Ça serait bien. Ben non, il nous tire dessus, le salopard. Ben, ah, incroyable. Puis quand on n'est pas en contact, c'est une attaque à distance. Et lui, il a un dé. Un dé à distance. Bon, il y a peu de chances qu'il fasse mal
à notre amie Ariana, puisqu'elle a au moins un d'armure, mais s'il tombe sur le, de la face comme ça, il va lui faire un dégât, Ariana. Ben, il... oh, comment? Pourquoi que j'appelle la malchance? Ben, il lui fait un dégât, parce qu'il passe, il fait deux dégâts, et un, son armure n'arrête un, ici. Mais, ah, il est vraiment, hein? Bon, ok. Phase des autre tour terminé. On met nos pegs. Une carte d'événement. On est à Watch Your Back. En investigation, le nearest purge to a civilian makes a move action toward it. Ok. Ça, ça m'aide. La purge le plus proche de civil ou d'un trader, s'il n'y a pas de civil en jeu, on s'entend que là, il y en a. Puis la plus proche, vraiment, c'est étrange, c'est lui. C'est la purge ici. Un instant. C'est la purge qui est proche de ce civil-là ici. On regarde. Il est à quoi? Voyons. À 5 de distance. Pendant que lui ici, il est à 7 de distance. Donc, étrangement, cette purge-là va faire une action de mouvement vers lui et provoquer une attaque d'opportunité en se faisant. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, mais il va attaquer Carrie puisqu'il garde un contact avec. Mais avant ça, je vais faire mon attaque d'opportunité. Ça va être. Tu regardes. Un combat rapproché, qu'a-t-il un dé? Un dé. Encore une fois, ça va lui prendre celui-là pour l'avoir, mais pourquoi pas? La purge, je l'ai eu contre moi. Pourquoi je ne l'aurais pas, moi, contre la purge? Mais non, sinon, ça ne marche pas. Donc, lui, il attaque. Bon, j'ai 2 dés. Oh là là, un autre civil qui risque de partir. Oh! Un hit, mais notre civil Kaori a un armure, donc ça passe. Il lui fait pas mal. Bon. Ça, c'était la phase d'événement. Et là, on est rendu à la phase 2 de mes traders. Donc, l'hostilité est faite. Bon. Il va avec... On fouille ici pour une première action. Il fouille... Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce que c'est que cette arme? Un line rifle. Donc, je pense que c'est mieux que ce que l'arme qu'il a ici. On va la changer. Peut-être même... ça vaut combien, ça? Ah. J'ai dit 6. Ok, non, ça c'est beau. Donc, elle, ça, on remet ça dans le coffre. Et on a un minable couteau qu'on remet. Et un autre minable pistolet qu'on remet. Bon, première action de fouille. Et là, est-ce que ça sert son action ici pour carrément enlever la purge qui est ici pour... on est mieux le garder contre les dévastateurs qui nous causent des problèmes. Donc, quoi qu'on pourrait tirer? Ils sont engagés. Il faut que je me sauve d'ici, premièrement. Il y a trop de chances de me faire ramasser. Donc, je vais me sauver d'ici, premièrement. OK. 1, 2, 3, 4. Et un mouvement d'opportunité. 5. Ok, le voilà ici. Mariana va fouiller dans ce coffre pour une première action. Il y a juste deux items dans les petits coffres, malheureusement. On a ce minable pistolet. Ben, on va aller prendre les deux, puisque, vous voyez, j'ai deux espaces de libre. Donc, peu importe leur valeur. Et tout à l'heure, quand je vais prendre ça, il faut que j'en enlève un des deux, mais pour l'instant, ça ne dérange pas. Première action. Deuxième action, c'est un déplacement. Donc, 1, 2, 3, 4.
et 5, mon mouvement d'opportunité. Juste à la porte, elle voit le pistolet. Elle ne peut pas aller le chercher. Donc, ça va prendre deux actions. Non, on peut une action sans mouvement. Donc, une action pour aller là, une action sans effort pour aller prendre le pistolet, et une autre action pour sortir. Bon. Gak, lui... Gak va... Ouais. Il va se faire tirer par le dévastateur, hein. Prochain tour. On a quand même fouillé trois coffres. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'il se sauve pour l'instant et qu'il attaque de plus loin. Donc, il va faire dans 1, 2, contourner le harvester. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va faire son moment d'opportunité ici. Donc, il pourra fouiller le coffre au prochain tour. Bon, ben, je pense... Oh, mais là, il y a... Non, le problème... Ben, le problème, c'est que... Je pense qu'il y a une ligne de vue, le dévastateur, hein? Ouais, il voit, mais c'est parce qu'il va avoir un point. Il va pouvoir se sauver d'un point de, parce qu'il voit, mais il y a du matériel devant lui, là. Donc, c'est une vue, c'est couvert. Ben, quand même, il voit. J'aurais peut-être dû arrêter ici, mais bon, je voulais vraiment fouiller. Je me trouve un. Ouais. C'est sûr que j'irai pas fouiller là-bas, hein. Ça, je pense qu'on va oublier ça. Le petit coffre là-bas aussi, on va l'oublier. Je pense qu'il y a un autre coffre quelque part et un autre coffre ici, on va l'oublier lui aussi. Donc, il y a trois coffres qu'on fera pas. On est quand même fait 1, 2, 3, 4, peut-être 5e pour lui. OK, bon, tous mes traders ont joué. Donc, on est rentré à la phase... Est-ce qu'il arrive des nouveaux purges? Bon, est-ce qu'il arrive des nouveaux récolteurs? On arrive un... Au numéro 3. Donc, il arrive beaucoup par en haut. Ici. Des dévastateurs. En arrivant. Au 4. Bon, encore une fois, tout en haut, ce qui est vraiment intéressant pour moi. Chanceux là-dessus, je vous dirais. 1 et 2 n'a pas sorti souvent, heureusement. OK, bon, ben, tout ça va s'activer. Il est dévastateur. Bon, je vous disais que lui là-bas, il voit à travers les fenêtres, il voit Gak, mais bon, il est en couverture. Donc, il va lancer 3D deux fois. Et là, bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes, puisque Gak a 4 points de vie seulement. Oh, un hit, mais la couverture l'annule, donc c'est aucun dommage. Et le deuxième... 3 hits, 1 annulé par la couverture, mais 1 annulé par rien du tout puisqu'il n'a pas d'armure, donc il perd 2 points de vie. Je trouve ça beaucoup. Ben, il faut que je trouve de l'armure, il faut absolument que je trouve de l'armure. Bon, lui va bouger de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Désolé. Lui bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Lui bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Lui, maintenant, il voit Ariana, il voit Tyrgarde. Il voit les deux. Lequel, il est plus proche de laquelle, finalement. Plus proche de laquelle. Non, mais il voit pas Ariana. Il voit plutôt... Il voit plutôt Butter qui est à 7. Il voit lui qui est à 7 aussi. Ouais, c'est égal. Les deux sont égales. Bon, on va aller... je décide dans ce temps-là. Mais je vois même qu'il va attaquer. Il va attaquer devant Twitter. Mais sûrement ça, l'épisode 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, lui aussi, il le voit, là, donc il y a deux récolteurs sur le... Et même lui... Oh! Je pense tantôt... Ah non, ben voyons donc. Ah! Mais il voyait Tyrgarde. Mais Tyrgarde, quel speed... Bon, que je me suis trompé de...
plutôt lui qui, je pense, qu'il est à pour tirer plutôt lui. OK. Bon, on va s'en prendre plus tard. Bon, eux, on se sont activés. Et lui. Lui, ben lui, il va faire il va attaquer à 2D. Un dégât seulement, elle a une armure, ça fait rien. Et là, on est rendu au civil. Donc, Kaori. Oh. Ben, Kaori, c'est pas compliqué. Elle se détache de lui. Elle veut absolument s'en sauver. Donc, 1, 2, 3, 4. Mais en se faisant, elle provoque une attaque d'opportunité. Encore, elle a le droit à deux attaques ce tour-ci. Oula. Là, ben, cette fois-ci, elle est morte. Il y a eu deux succès. Bon, mais l'attaque d'opportunité a fait en sorte que Kaori n'a pas survécu. Il reste notre civil ici. Lui, il va faire quoi? Sûrement rien d'utile. Oups. Ah! Il essaie de nous rejoindre. Ben voilà, ben il nous rejoint. Parce que j'ai Ariana qui est à courte distance ici. Donc ça fonctionne. Fait partie de notre équipage. Ben, pour l'instant, il nous rejoint. Donc, c'est partie de l'équipage, mais donc, il est avec nous. Donc, ben voilà, ben on va pouvoir l'activer maintenant dans sa phase, avec nous dans sa phase. Donc, il y aura deux actions. Il est très faible, ben bon, ce sera plutôt la chair à canon, je vous dirais. Mais au moins, il est avec nous. Donc, je vais mettre ça à côté de mes hommes, là. OK, c'est terminé. On y va avec la prochaine phase d'hostilité. Toujours à Watch Your Back. Carte événement. Watch Your Back. OK, intelligent. Chaque joueur prend une carte d'événement. Ah, OK, oui, c'est ça. Ce que je fais finalement, c'est que je lis la prochaine carte. Bon. Et ça me prépare qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, ça, c'est quoi ça? Je vais avoir. OK. Ah, OK. Un civil qui va avoir l'information à me vendre. Je paye 2 UA, je vais pouvoir regarder 3 prochains événements. OK, bon, mais on verra si ça m'intéresse ou pas. OK. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, vous voyez qu'on va commencer par le plus facile. Ariana va faire un mouvement ici. Action sans effort, elle ramasse le pistolet. Ah ouais, il est à... Et elle va le mettre à la place de quel des deux? Lui vaut 18. Waouh, mon Dieu. J'ai vu les armes. Il vaut 18. Ok, je pense que je vais regarder celui-là. Hein. Elle va mettre ici. Ça, on le laisse ici. À terre. Et là, deuxième action, elle fait un autre mouvement. Donc, vous sortez de là. 1, 2, 3. Ah non, t'as plus. 1. Je pense qu'elle va se mettre ici à couvert. Pour pouvoir. Où elle se met contre le mur. Elle fait son camouflage. 1, 2, 3, 4. Elle peut pas aller. 2, 3, 4. On va se mettre ici. 2, 3 et 4. Comme ça, je pense qu'elle est pas. Personne ne la voit. Je pense que personne n'est capable de la voir. Non. Incroyable. Regardez celui-là. Il voit le civil ici. Juste. Et je pense que les deux le voient. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il le voit. OK. Ariana a joué ses deux actions. Tu regardes, lui, je pense qu'il est pas. Non, lui, il est vraiment pas en état de faire quoi que ce soit. Là. Est-ce qu'il va être capable de s'en aller? Oups, lui, il est tombé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai accroché tout à l'heure. Tu regardes, je pense qu'il a pas le choix de se sauver. Qu'est-ce qu'il peut bien faire hier? Il va se sauver, mais peut-être par le chemin qui est ici. Il peut pas retourner par là. Ça se peut pas, là. Même nous, mes personnages, là, je pense qu'on va passer par ici, là.
Ouais, on va passer par ici. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Fait que ce gars va revenir par ici. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un mouvement. Un mouvement de porte de sans effort. Pas de coffre par là, non, évidemment pas. Ok, ça c'est ce garde. Première action de Gak. Gak qui va regarder dans le coffre. Et qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Est-ce que ça valait la peine? Bon, je vois que oui. J'ai, ah, mais il y a les deux. Il a trouvé les deux lui-même. Non, il a trouvé. Non, il a trouvé le premier. L'autre, c'est à 5000 crédits. Et là, il a trouvé ce GCF-là qui vaut 3. Bon, ben, quand même. Faites un peu d'argent. Il trouve cette hache qui vaut 2. Pendant que lui, il y a une arme qui vaut 6. Donc, non, ça, on va le remettre dans le coffre. Et c'est fouillé. Et là, maintenant, il va sauver de là. Donc, 1, 2, 3. Non, non, qu'est-ce que je fais là, moi? La porte est ici. 1, 2, 3. Oh, il y a lui ici. OK. Je pense qu'on va se sauver dans le peu. On recommence là, encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Est-ce qu'il fait quelque chose ici? Il va se occuper. Il va avoir un point de d'habilité pour récupérer une vie. C'est ce que ça lui permet de faire ici, cette capacité-là. Et là, c'est même pas la bonne. Je viens de me rendre compte. Oui, c'est lui. C'est ça. C'est la bonne personne. OK, bon. OK. Ouais, là, je pense que ici, on va utiliser des points d'habilité pour Ariana. Il faudrait bien. OK, ça, c'est terminé pour toutes mes. Ah non, non, il reste lui. Ah, lui, il vient pour moi maintenant. Bon, que lui, on va la ramener dans notre vaisseau. Donc, lui a deux actions, je crois. Deux actions. Donc, il va bouger deux fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il va se mettre ici à côté. Hein? Juste à côté de son ami, qui est lui. Ah oui, je suis supposé aussi prendre un. Fouiller dans le sac, voir qu'est-ce qu'il transporte, ce gars-là. Donc, on va regarder dans le sac. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. On a. Il a. Ah, oh, bah, c'est un carte. Il faut gagner de la vie. Toujours ça. OK. Bon, c'est la purge et ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que je vais avoir un peu de difficulté à ce tour-ci. Bon, allons-y pour les récolteurs. Il n'y en arrive aucun. Bon, c'est un bon signe. Les dévastateurs. Un, ben il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas puisque les deux sont là, de toute façon. Mais dans ce temps-là, oui. Dans ce temps-là, il faut jouer avec la règle. Quand il n'y a plus de dévastateurs disponibles, on y voit que l'unité la plus basse, donc le récolteur. Il m'en reste un récolteur. Donc, le récolteur va être dans O6. Donc, je prends mon dernier récolteur et je le mets ici. Bon, ben tout ce beau petit monde-là s'active. On va commencer par là en premier. Donc, ben, les deux qui sont là. Bon, eux ne voient plus personne. Ah, ben, peut-être pas. Je sais pas s'ils voient notre ami Ariana qui est caché. Oui, où mon laser qui est ici? Est-ce qu'ils voient notre ami Ariana? Non, le mur cache carrément. Ici, le mur cache. Et là aussi. Donc, elle est, c'est vraiment bien mis. C'était une très bonne place qu'elle s'est mise là. Pour pouvoir se cacher. Donc, eux vont bouger. Et la victime la plus proche, ben, mes trois sont là. Tout le monde est ici. Là. Si tu regardes, lui, il est un peu trop loin. Donc, je dirais que c'est Ariana. Ils vont se déplacer vers elle. Ils l'ont vu un peu déplacé. Ils vont continuer à aller. Donc, ils bougent de 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre est à côté, donc il va se mettre à côté. Ils sont pas dangereux pour l'instant. Bon, lui, il va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il se met comme il était. Lui, il va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Devant nous.
eux vont continuer à aller par là-bas. Ils ont vu du monde s'en aller par là, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ça le portrait. Ils se sont rapprochés de nous. Lui aussi bouge. Hein? 1, 2, 3, 4. Ouais, tout le monde se rapproche. Donc, on va s'occuper de ces trois-là, quand même. Et elle, ben, il faut qu'elle sorte. Hein? Il peut rien en faire ici. Bon, ben, c'est terminé. Les civils, ben, il n'y en a plus. Lui, il est rendu dans mon équipage. Mais on tire un dé quand même. Ça se peut qu'il nous abandonne. Ou ça se peut qu'il se transforme. Non. Si on tombe là-dessus, il ne se transformera pas. On n'est pas encore en mode le prochain niveau Cover Me. Mais imaginez-vous qu'il collie sur nous et se transforme. OK. Qu'est-ce qu'il va faire, le civil? Rien du tout. C'est un 3. C'est parfait. Un 4, il aurait quitté notre compagnie. Bon. OK. Donc, terminé pour un autre facilité. Plus que 2. Ah, ben, ça va bien quand même. Je pense que... J'ai commencé à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 6 cartes d'événement. C'est la 6e carte d'événement. On est dans Watch Your Back. Ah, on l'a vu tout à l'heure. Ben, il n'y en a pas de civil. Dans ce temps-là, okay, bon, c'est ça. Là, il n'y a plus de civil. Donc, ce qu'on fait, on rajoute un civil. On mélange cette carte-là et on en pige un autre. Donc, et voilà. Ce qui, enfin, ben, un civil. Je vais arriver à un nouveau civil. Puisque les autres, je vais le considérer comme disparu. Je ne ferai pas revenir le même personnage, comme je faisais avant. J'aime mieux faire un nouveau personnage. Bon. Donc, quand l'événement s'est brassé, on va faire venir notre ami Ovac, qui va arriver maintenant. Oh, on va voir, elle va arriver en 2. Donc, ici, carrément ici. Et, ouais. Donc, elle pourra tirer à distance. Donc, elle arrive là. Et là, on prend une autre carte d'événement pour remplacer cette carte-là. Et c'est Watch Your Back. On est là. Unseen Enemy. Ennemi invisible. Greeting, getting greedy. Oh non. Un des traders a pris trop de temps à chercher pour des choses à valeur. Mais ça, c'est, je pense, on le fait en réalité. Hein, j'en parlais tout à l'heure. Et attirer l'attention de la purge. Oui, je pense qu'on l'a attiré l'attention de la purge bien comme il faut. Place a harvester on top of the last search counter place. OK, oui, ben c'est ça. Mais j'en ai pas. Les search counters, ça, c'est quand on fouille une salle. Puis on peut placer, on en place un, puis on trouve un item qu'on pige dans le sac, mais je ne l'ai pas fait. Donc, si ça n'a pas été fait, on augmente la facilité de 1. Ben, c'est ce que je vais faire. J'augmente la facilité de 1. Bon. C'est là qu'on est rendu. OK. Tiens, regarde, est-ce que je l'ai... Gak, que vas-tu faire? C'est sûr qu'il rentre en contact avec lui, donc il n'y a pas le choix de... Bon, il va faire un mouvement sans effort de 1, ça c'est aucune action. Et là, il va lancer les dés pour action de combat, et lui, il a une capacité, là, un point ici, un point là. Si je me rappelle bien, ça veut dire qu'il va lancer 3 dés... Ouais, mais... Ah! Non, sinon c'est 2D. Ouais, non, sinon c'est 2D. On prendra pas sa capacité. Son parce qu'il reste juste un point de skill. Donc, on va prendre son... Il lance à 2D pour son corps au combat. Donc, on va lancer 2D. Espérons avoir 2 hits. Aucun hit. Donc, deuxième action, il refait... Ah, mais c'est pourri! Oh, God! Il est en contact avec lui, puis il n'a rien réussi, il n'a rien fait. Non, mais c'est pourri, mais totalement pourri. Ah! OK, bon, ben, tu regardes, si c'est son tour, lui, il va faire l'action... une action, une de ses capacités spéciales, là, pour enlever ce...
Alors, il faut faire quelque chose. Là, c'est une action qui s'appelle Hack, qui est ici, là, qui est l'éclair qu'on voit là, juste dans l'écran. Là. Donc, l'éclair Hack, c'est Shut down a purge character within medium range. Donc, avec cette capacité-là ici, il va le medium range, je pense bien qu'on est à medium range, là. Sûrement. Oups. Sûrement. Oui, on l'est. On est donc, il va dépenser son point d'habileté ici pour enlever ça. Bon, ça, c'était même pas une action, c'était sa capacité spéciale. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'il reste dans le coin là. Ok, donc on va faire une action. Il va avancer de 2, se mettre à couvert ici. Et comme deuxième action, il va lancer sa ici. Donc on va mettre une balle ici sur une munition sur. Finalement, j'aurais dû tirer avec lui, mais en tout cas, on va lancer sur lui. Là, on est à court, short ou medium. Ça ne dérange pas avec cette arme-là, il en tire deux de toute façon. Il en tire deux. Donc, 2 dés. Là, cette fois-ci, il faudrait bien qu'on aille les fameux hits qu'on veut. Bon, il y en a deux. Parfait. Lui disparaît. Et voilà, lui a joué. Gak a joué. Gak a joué, tu regardes jouer. Ariana maintenant, ben elle va se déplacer. Donc, 1, 2, 3, 4. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Et pour son action sans effort, elle va bouger de 1. Non. Elle reste là. On va plutôt prendre sa capacité ici. Je pense ici, là, qui est là. Qui permet de faire une action de range assault sans effort. C'est ce que je pense. L'action que je pense, c'est make a range attack. Ah! Même pas sans effort. Ok, bon, mais. Elle va faire son action sans effort. Elle va se mettre ici. Puis là, elle prend un peg d'habileté pour faire l'action qui est ici. Donc, elle fait un range attack. Malheureusement, est en medium range, qu'on peut voir. Donc, elle va faire un range attack avec 2 dés. Peu importe lequel des deux. Ils ont tous 2 dés à distance medium, donc 2 dés. Et rien du tout, ça fonctionne pas. Bon, ben. C'est tout pour mes traders. Donc, il reste le Butler qui est ici. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Merde. Mais qu'est-ce que j'ai pas pensé à mon. Ce jeu-là, faut vraiment penser à tout. Là, le ligne de vue, lui, il y a une ligne de vue sur. Le dévastateur, il y a une ligne de vue sur Gak à travers la fenêtre. Pas l'autre, mais lui, oui. Donc, ils vont y tirer dessus. Ah! Là, c'est à savoir ce qu'il y a 90% de cover ou 100%, plus que 100, parce que là, il y a quand même tout ça qui le cache. Hein. Là, il faudrait aller de l'autre côté vérifier de qu'est-ce que lui voit. Mais moi, il y a ça qui cache. Il y a la moitié, en partant, il y a la moitié à cause de la fenêtre. Il y a la moitié du corps qui est caché, plus il y a ça qui cache. J'ai l'impression qu'il voit pas beaucoup. Donc, il est en couverture complète. Ok, ça marche pas. Moi, considérant la couverture complète, est-ce que si je vois ici, mon Dieu, je sais pas si vous voyez, là, c'est pas évident à se mettre. Hein?
Il n'y a pas grand. Non, je pense que. Je pense qu'il ne voit pas assez pour tirer, là. OK. Bon, ben, de toute façon, c'est terminé pour mes traders. On va y aller avec la purge. Et là, on est en mode. Watch your back pour la dernière fois. Donc, un dé pour les harvesters. Il y en arrive un. Au 4. Donc, un tout là-haut, là-bas. Un dé pour les dévastateurs. Il y en a déjà deux, mais bon, il n'y en arrive pas. Donc, on ne mettra pas de récolteur. Et là, tout ce moment-là s'active. Commençant par eux qui vont bouger de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Juste à la porte. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va les tasser les deux, là. Il faut qu'ils soient un côté de l'autre, là. Bon, ils sont là comme ça. Lui, il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. En arrière. Comme ça. Lui, il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Bon. C'est tout, les civils. Ben, il y a un civil, il y en a un, c'est lui. Mais lui, on va lancer un dé pour lui, voir s'il reste avec nous. Un 5, oui, ça va. Et ce civil-là, qu'est-ce qu'il fait? 1, elle bouge vers le haut. Donc, mais elle est en dans le 4. Elle est en dans le 4 d'une purge, donc elle se déplace en direction opposée, elle veut s'en sauver. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, elle s'éloigne de la purge. OK. On y va. Maintenant, on s'en va à Cover Me. Carte d'événement, Cover Me. Voilà, on est rendu là. Tous les civils non engagés à Medium Range. Oh, ça c'est bon. Font une attaque de la purge, font une attaque contre la purge la plus proche. Donc c'est lui-là ici, elle va faire une attaque contre la purge qui est là, mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui est devant. Je pense pas qu'elle le voit. Ouah, mon Dieu, il faudrait que c'est très précis, hein? Faudrait qu'elle lance son dé. Faudrait qu'elle lance ça entre les. C'est sûr que la ligne n'est pas brisée. Comme qu'on voit que. C'est my god. Ça touche un peu la. De centre à centre. Ça touche à peine. Donc on peut. Elle peut lancer. Elle peut lancer tant qu'à moi, puisque. De centre à centre de la base de la purge et de elle frôle les deux. On peut le répéter, on peut le revoir de l'autre sens. Là. C'est moins spécial. Hein? Ouais. Donc, ça frôle. Ça va. Pour moi, ça va. Donc, OK. Donc, elle va lancer. Elle va lancer 2 dés. Et c'est un 3 hit. Hey, quel beau tir! Tir précis entre les deux personnages. Et elle défonce celui-là. Super belle carte d'événement. Qui s'appelait Well Regulated Militia. Une milice très bien entraînée. Ben oui, ça paraît. Oui, notre civil ici a fait des beaux tirs. Bon, ben c'est mes traders. Et voilà, ben regarde, je pense que tout le monde est en ligne pour pouvoir dégarpir d'ici. Donc, Yel se regarde en premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un mouvement sans effort. Il est ici.
Bon, tout le monde, un à l'arrêt de l'autre. Finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il n'a pas le droit à mouvement sans effort. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un mouvement sans effort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un mouvement sans effort. Et voilà, tout le monde a joué. Et c'est à la purge. Et là, cette fois-ci, je vois là, il y a deux récolteurs qui arrivent. Bon, en bloc 2, j'en ai deux justement. Mais dévastateur, j'en ai déjà deux en jeu. Il va lancer un dé pour un assassin. Il a lancé un dé pour un organique. Ça fait beaucoup de dés. Donc, les deux récolteurs vont arriver où? Vont arriver en 4. J'ai eu peur que ce soit un ou deux. J'ai vraiment eu peur que ce soit ici. Hein? En 4, ben voilà, ben, je suis vraiment chanceux pour ça. Mais là, si l'assassin arrive en 2, je suis dans la mouise. Vraiment. OK, dévastateur, il n'en arrive pas. Sont déjà en jeu. L'assassin, est-ce qu'il y a un assassin qui arrive? S'il vous plaît, non. Oui. Il arrive. Là, je vous prie, Seigneur. Pas en 1, pas en 2. 4, ben voyons donc. Ils arrivent tous dans le fond. Pour là-dessus, là, j'avoue que je ne me plains pas de la chance que j'ai de toutes les avoir. De tous les avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont été spawnés en haut. Hein. Et est-ce qu'un live one arrive? Faut pas de 6. C'est un 2, donc il n'arrive pas. Merci, merci. Bon, ben voilà. Et donc les fameuses. Ça s'active tout ce beau monde-là. L'assassin a deux actions. Mais c'est lui qui est, qui est plus élevé. Donc lui, il va aller vers le capitaine. Hein. Mais de toute façon. Bon, là, je me demande. Je pense que le chemin le plus court, ça va être ici maintenant, par la porte qui est ici. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, lui, il veut vraiment aller par la porte, puis il va peut-être finir par y rencontrer le capitaine. Hein? Ouf, ça risque d'être compliqué, ça. Ouh, que ça risque d'être compliqué. Bon, lui, il avance de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. J'aurais dû faire les dévastateurs en premier, là, mais bon. Ça n'a pas d'impact que je bouge en premier, je vous dis. Là. Donc, les dévastateurs bougent de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les actions sont liées. Pas le choix, il ne voit pas, il ne peut pas tirer, donc il bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un côté de l'autre. Lui bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Il y a lui, j'ai pas bougé. Lui, je pense que maintenant, il va y aller lui aussi par en haut. 1, 2, 3, 4. Bon, ben j'ai cette gang-là qui s'en vient là. Par la porte qui est ici. Nous faire du trouble. Et j'ai ces deux-là en arrière, j'ai ces trois-là en arrière. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, j'en ai un autre. Il faut cacher que j'ai pas vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, bon. Purge ont joué. Civil maintenant, lui. Bien, il est à 4 pouces. Donc il va vouloir se sauver. 1, 2, 3, 4. On va le mettre ici. C'est sauvé de la purge parce qu'il est à 4 pouces en short range. Donc, dans ce temps-là, il se sauve. Et c'est un autre. Donc, ici. Et là, je pense qu'on finira pas ce tour-là, mais je pense qu'on va avoir la misère avec celui-là ici. On est à Cover Me. Ouf. Interférence. Command will not follow all on language. Mau, ok. Bou. Hein? Non, mais. Up to reaches. Does... Chaque civil engagé bouge vers le. L'ennemi le plus proche deux fois, jusqu'à 8 pouces. On fait une action de combat rapprochée.
And all unengaged civilians will make a range. Oh my god, c'est quoi cette histoire-là? Tous les civils non engagés vont faire un mouvement, puis vont faire une action de close. Ceux qui sont engagés vont faire. Oui, ok. Bon, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Ben, c'est spécial parce que ben, tous les ennemis, hein, les civils, ils visent la purge, mais ils nous visent aussi, là. Donc, c'est comme si c'est Butler ici, l'ennemi le plus proche. Juste vérifier ça dans le livret pour faire sûr que je suis le bon, la bonne personne. On m'a arrêté, les civils m'attaquent. Ils vont attaquer lui qui vient partir de mon équipage. Ben, il va s'en occuper rapidement. Pour Butler, il a aucune armure. Donc, elle lance un dé. Là, c'est une action de combat rapproché. C'est un dé seulement. Ça, elle a un dé ici. Puis lui, ben, il, malheureusement, pas d'armure. Ça va pas bien. Ok, un dé. Et voilà, deux hits. Notre petit Butler n'est plus. Et ça tombe à terre. C'est ce qu'il y avait sur lui. Bon, ben, les trois civils qu'on avait au début sont morts. On n'en a plus qu'un, le nouveau. Ovac. Bon, ça, c'était la phase d'événement. Qui était un peu coûteuse pour moi. Phase de. Ben, on va bouger de sauvegarde de 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et là, je vais laisser là. Je vais reprendre le vaisseau tout de suite au cas qui pourrait être utile. Ok, maintenant, Ariana qui va bouger de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god! Ah non, non, un instant. Ça fait ça, elle se trouve en ligne directe de vue avec l'assassin. Je vois pas comment qu'elle pourrait. Comment qu'elle va faire pour s'en sortir. Bon, je pense que ce que je vais faire, plutôt me mettre à couvert ici, hors la ligne de vue, et si l'assassin me vient près de moi, ben, je ferai une action de une action de mes habiletés là, qui me permet de m'évader ou tout ça. Là. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Là. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais arrêter ici, là. Juste en couverture avec le lit, là. Ouais. Et lui va faire 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'étais ici, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son mouvement sans effort, on va le mettre juste à côté pour que ce n'est pas en ligne de vue. Ok, mes trois traders ont joué, les voilà. Et ça, c'est la purge maintenant, on est en mode cover me, donc, ben, de toute façon, écoutez, tous les purges sont sur le tableau, la map à part le live one, donc, j'ai même pas lancé le dé, il n'y en arrive pas de nouveau. Il n'y en arrive pas de nouveau, à part lancer un dé, voir s'il arrive un live one, justement. Donc, est-ce que je vais avoir un 6? Non, c'est un 2. Je ne voulais pas, c'est 100%. Donc, qui s'active? Ben, c'est l'assassin qui a deux actions. OK. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, il arrive à la porte. Et là, il ne voit personne pour l'instant. Il arrive, donc, 1, 2, 3. Et là, il fait contact avec Ariana. Et là, Ariana, on va prendre sa capacité spéciale qui est évasion. Évasion mode en première
En première, en premier niveau, si je peux vous trouver, qu'est-ce qu'elle a? Évasion. Qui est un. Quand un ennemi, évasion, on voit l'icône qui est ici, ou mon pouce, là. Donc, évasion, quand un ennemi fait move en contact avec vous, faites une action de mouvement en ignorant les attaques d'opportunité. Donc, c'est ce qu'on va faire. On fait une action de mouvement en ignorant les attaques d'opportunité. Donc, voyons donc. Ah là là, il y a tellement de petits. 1, 2, 3, 4. Faites le tour, là. On est là. Mettre ici. Et voilà, bon, ben ça c'est fait pour lui. Maintenant, on va bouger les E. 1, 2, 3, 4. Hop! 5, 6, 7, 8. Il entre en contact avec le civil parce que c'est lui qui voit. C'est la cible la plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Ça c'est entre les deux. Ils ont fait les deux actions. Donc, ils ne feront pas d'action rapprochée parce qu'ils ont fait deux actions. Ils n'ont pas trois. Et maintenant, tous les autres, là, 1, 2, 3, 4. Lui, c'est 1, 2, 3, 4 à la porte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et bon, c'est ça. Tout le monde se précipite sur nos traders. Bon, ben ça, c'est la phase civile, ben elle est là, elle. Fait que elle. Je sais pas ce qu'elle fait là. En réalité, je pense qu'elle doit se battre. Moi, je me battrais à sa place puisque elle va avoir deux attaques d'opportunité. Elle a quand même. Elle pourrait survivre, hein? Bon. Ok, on va lancer son. Non, elle se barre, elle se barre. Donc, 1, 2, ouf, my god, elle ne peut pas finir, elle. Elle peut pas. Elle est coincée là, elle peut pas s'approcher de l'assassin. Elle peut pas faire le tour, là. Il n'y a pas de place pour passer. Donc, elle va attaquer. Elle va attaquer avec un dé. Un dé, elle le fait deux fois. Ce serait le summum, c'est qu'elle aurait deux fois ce résultat-là. Ça, ce serait incroyable. Donc, première, ça fait rien. Deuxième, ça fait rien non plus. Bon, pauvre elle va crever au prochain tour, mais il n'y aura pas de prochain tour, ça se termine là. Ok, on met un autre peg. Carte d'événement. The Everywhere, c'est en plein ça. C'est vraiment ça. Vous en avez aperçu. Oh, t'as pu. On s'en est aperçu. Ah, non. Ok, écoutez-moi ça. Ça va nous mettre dans le trouble. Ok, on s'en est aperçu. On les voit ici, là. Des petits insectes qui s'agglutinent sur les tuyaux, les conduites, probablement attirés par l'énergie visuelle. Il ne me dérangeait pas au début, mais maintenant, il nous considère comme une menace et il nous attaque, les insectes. Bon, ben, ils ne sont pas mortels, ils sont nuisants, ils ont une morsure pour empoisonner. Or, on perd une action ce tour-ci, et on ne peut pas faire d'action sans effort, à moins qu'on ait une skill de 3 ou plus. Ok, donc, si tu as un skill de 3 ou plus, tu perds ton action sans effort, mais tu as quand même deux actions. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'Ariana va avoir deux actions. Quel une, Gak une et Tirgard une. Ça, c'est pas cool, mais pas cool du tout. Surtout pour Gak. Oh la god. Gak a une action. Écoutez, ben, on va la faire. 1, 2, 3, 4. Wow! Pauvre Quel. Ma pauvre Gak plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Euh,
Ah, il est vraiment mal pris. Un instant, je vais regarder ses capacités. Il y a peut-être quelque chose pour l'aider. Ben, effectivement, il y a quelque chose pour l'aider. Il y a cette capacité-là ici qui s'appelle énergiser, qui lui permet de faire une action de mouvement. Donc, il va prendre son point d'habilité. Il va faire une autre action de mouvement. Heureusement. 1, 2, 3, 4. 4, tiens. Il se met ici. Et il y en a deux actions. Elle, 1, 2. Bon, elle, on ne rentrera pas dans le vaisseau tout de suite. Parce que. Parce qu'on veut aider nos amis s'il se passe de quoi, là, parce qu'il y a un peu pas. On rentre les trois en même temps, on rentre pas, hein. C'est ça que je vois, là. Bon, on est prêt au prochain tour, c'est sûr qu'on rentre. Mais pour l'instant, ça se fera pas. Donc, mes trois trailers ont joué. Et là, c'est rendu à la phase de la purge. Comme je vous disais, le seul dé que j'ai tiré, c'est pour le Live One. Il manquait un peu juste lui. Et il arrive! Il arrive en 6. Bon, ben, c'est quand même loin. Pas près de l'avoir arrivé, mais lui, il se pointe ici. Un Live One qui apparaît là. Je pense que c'est pas ici, hein? Bon, ben, lui, il va s'activer. Lui, il a 3 actions, donc il va faire 12 mouvements. Et, je pense que le chemin le mieux, ça va être de venir par ici, comme ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein? Quand même beaucoup. 12 mouvements. Est-ce qu'il a fait 12 mouvements vraiment? Ouais. On voit ici, on voit que ça arrête à 12. Bon, il a fait ses 12 mouvements. L'assassin, ben, il vise le capitaine, il se roule, il tourne d'abord. Il va faire, il la voit pas, donc il va faire un 1, 2, 3, 4. Il là, voit le capitaine. Il va faire une action de tir. Une action de tir. Sa deuxième action, on voit ici, il a 2 actions. Son palier. Donc, peut faire une action de tir. Là, cependant, est-ce qu'il se rapproche? Ou il se rapproche encore plus? Mais s'il se rapproche, un instant. Est-ce que. Il y a un shooting statistique? Oui. Higher? Non. Reach, non. Move this turn, oui. OK. Il va faire une action. Si je regarde cette petite charte-là, là, comme le purge a une statistique de tir de 2, mais est-ce que c'est plus haut que son action de combat rapproché? Non, parce qu'il y a 4 en combat rapproché, donc non, c'est pas plus haut. Est-ce qu'il y a une chose? Shooting higher? Non. Ah, ok, ben il va bouger finalement. Ok, comme. Puisque sa statistique de tir est plus basse que sa statistique de combat rapproché, on voit ici un 2 et un 4. Donc, c'est non. Et donc, il va bouger. Ok, ben encore une fois, donc c'est ça, il va bouger. Donc, il va venir encore une fois, il va venir carrément entrer en contact avec elle. Donc, elle va s'en débarrasser avant d'entrer dans le vaisseau. Bon, eux vont attaquer elle. C'est ce dont le premier va faire une action de 2D. Elle a une armure. Donc, on va peut-être survivre. Oh, première action, ça fait rien. Deuxième action, ça fait rien du tout puisque un hit, une armure le prend. Donc, deuxième harvester qui attaque. Oh, ben là, ça l'a fait. Donc, elle aussi disparaît. Un autre civil, je vous disais que les civils avec moi, ça dure pas longtemps. Bon, comme deuxième action, ben comme ils sont là, ils ne peuvent pas attaquer, donc ils restent là.
On lui va bouger de 1, 2, 3, 4. Eux vont bouger de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ici, 4 ici. Bon, lui a bougé déjà. Donc, tout le monde a bougé. Puis il n'y a plus de civil, donc c'est la phase d'hostilité. Carte d'événement. Cover me purge. S'il n'y a pas de live one en jeu, on augmente l'hostilité de lui. Il y en a un. Sinon, le live one a activé son holographe, sa robe holographe. Remove a live one from play for now. Ok, on l'enlève du jeu. Si un live one résultat is not rolled for civilian, si un résultat n'est pas roulé pour un civil, il n'y en a plus de civil. Reveal, ok. Bon, finalement, c'est ça. On le déplace, puis comme il n'y a plus de civil, ben, on sera plus sur la map, on termine là. Mais si on n'avait pas terminé, si le civil, on révèle un civil, il n'y en a plus, mais si on avait eu, on aurait révélé un civil qui aurait été live one, donc on aurait perdu un civil. Et s'il n'y a pas de civil en jeu, on place le live one au point d'entrée plus proche d'un trader. Donc, ok, ben, il disparaît. Donc, c'est sûr que. Il aurait pu réapparaître ici en réalité, là, on va apparaître là-bas. Mais il ne réapparaîtra pas puisqu'on s'en dégage, nous. Donc, un autre trailer de jouer. Et Ariana va carrément utiliser sa capacité d'évasion encore une fois. Donc, un autre peg qu'elle enlève parce que c'est une fois par tour. Donc, elle se sauve et elle bouge et elle rentre dans le vaisseau. Et lui aussi, et lui aussi. Et on quitte. Et on laisse tous ces purges-là en plan. Et c'est terminé. Croyez-moi que il est temps que ça se termine. Parce que, comme d'habitude, dans ce jeu-là, quand on termine la mission, on a toutes les purges qui sont en ligne là, pour nous attaquer. Là, c'est toujours comme ça. Hein? Peu importe ce qu'on est, là, il y a toujours une ligne de purges qui nous suit et qui est prête à nous rentrer dedans. C'est toujours comme ça, on va toujours en train de se sauver de l'armée de la purge. Bon, mais c'est terminé pour cette partie. Je crois qu'elle a quand même bien été parce que, bon, comme je vous disais, à faire jouer plus une partie en arrêt de l'autre plus intervalle plus court, ça permet qu'on l'a dans la tête et règlement, on perd moins de temps. Je pense que vous avez besoin d'apercevoir pour cette partie-ci. Donc, la mission 5 qu'on va faire bientôt, je vais intégrer en toute probabilité les corps galactiques, peut-être un scavenger, sûrement les ouvriers. Ça s'appelle The Trouble with Viscounts, les difficultés avec les vicomtes. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, mais en réalité, j'ai bien hâte de voir, parce que dans la mission principale, dans la campagne principale, il y a 9. Il y a 9 missions. Donc, on est presque rendu à la moitié. Et voilà, ben on se revoit bientôt pour une autre partie de Core Space. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.